Du quartier latin, l'auteur du Major Thompson, Pierre Daninos, nous a reçus pour évoquer quelques souvenirs. Mon épouse, au moment où j'étais en pleine dépression à la campagne, mon épouse s'est souvenue de cet épisode de ma jeunesse, enfin j'avais déjà 25 ans, et a trouvé sur les quais un haras du Brésil à peu près identique. Elle pensait que ça me ferait plaisir de revoir ces couleurs que j'avais tant aimées, le rouge et le bleu. Et elle m'a rapporté ça, et je dois dire que depuis, nous en sommes jamais séparés. Est-ce que vous connaissez l'origine de votre perroquet? Il est du Brésil, c'est tout ce que je sais. Il a été pris dans la forêt, probablement à quelques centaines de kilomètres de Rio. Et d'ailleurs, c'est pas la peine d'aller très loin de Rio pour trouver la forêt vierge. Elle est à côté, et pendant des milliers de kilomètres, jusqu'à Recife. Quel âge a-t-il? Il doit avoir maintenant une dizaine d'années. Sa vie très vieux. Sa vie jusqu'à 100 ans. Ont-ils soutenu dans l'écriture de votre dernier roman? Oh non, pas du tout. Ils m'ont plutôt embêté. Vous savez, j'essaye d'être franc. Enfin, j'aime beaucoup ces oiseaux, mais ils m'ont plutôt enquiquiné. Dans le travail, je suis souvent obligé de les faire taire, de me lever pour aller me bagarrer avec eux. Mais de temps en temps, il y a de bons moments. Et ils sont très gentils tout de même. Enfin, non, soutenu, non. J'exagérerais en me disant qu'en allant chercher la moindre inspiration parmi les oiseaux. Quels sont les plaisirs que vous trouvez à la présence d'un perroquet ou d'un ménate? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Eh bien, le perroquet est assez amusant avec moi. Il est assez tendre, quoi qu'il puisse être féroce avec des tas de trucs qui bouffent toute la journée, du bois, des photos, des tas de trucs. Mais je crois que c'est surtout un plaisir des couleurs. J'ai fait connaissance de Lara brésilien à Rio, et à ce moment-là j'habitais avec une brésilienne d'ailleurs très jolie, mais qui était férocement jalouse et qui n'a pas pu supporter la présence de Lara que j'avais rapportée. Et au bout de quelques jours, jalouse de ce perroquet, ma compagne l'a fichu par la fenêtre avec un petit boulet pour que ça aille plus vite. Quand je suis revenu du Brésil, comme un fou d'ailleurs, en 1941, il m'est arrivé de passer plusieurs années d'ailleurs dans une demeure de Sologne, et en pleine forêt, et j'avais là des bouviers, deux bouviers des Flandres. Et à certains moments critiques, quand les Allemands visitaient la maison pour voir s'ils ne pourraient pas le réquisitionner pour un état-major, il m'arrivait d'avoir des conversations avec le bouvier auquel je disais, j'en prenais qu'un, ça je te promets que si un jour je me fais encore de la bile pour une contravention, pour des militaires, pour des impôts, pour n'importe quoi, je ne me connaîtrai plus. Eh ben pas du tout, c'est revenu 10 ans plus tard, j'ai recommencé à me faire de la bile pour des tas de choses qui à ce moment-là paraissaient dérisoires. Pierre Daninos, quelle est l'attitude du Major Thompson et de ses semblables à l'égard des animaux familiers? Il est encore peut-être plus près des animaux que les Français. Il est tout de même choqué quelquefois par les excès là aussi, quand par exemple, il est arrivé avec moi d'ailleurs, de partir de King's Cross, une grande gare de Londres, dans un train où les chiens étaient assis et les voyageurs debout dans un couloir. Et il n'a pas pu tout de même s'empêcher de trouver qu'il y avait un peu d'abus. Il y a beaucoup d'exagérations là-bas aussi. Je dois dire tout de même que ce sont peut-être les chiens qui sont les seuls Anglais à ne pas avoir trop changé
depuis 20 ou 30 ans. Quand vous allez aujourd'hui dans Hyde Park, vous voyez des tas de gens habillés absolument comme si on était à Moscou, à Washington, à Paris, col ouvert, blouson, blue jeans. Et il vous paraît que les seuls êtres humains qui aient conservé exactement le même aspect de gentleman ou de lady qu'autrefois, ce sont les chiens qui courent correctement, qui font tout très correctement. Et il est très copain. Il y a tout de même des moments où il nous fait la tête ou la gueule. Quand nous partons trop longtemps en voyage, par exemple, si nous partons 2 mois, eh bien, au retour, il lui arrive de ne pas dire un mot et de ne pas prendre les biscuits pendant 15 jours. Alors, comment faites-vous à ce moment-là quand vous partez en voyage? Qu'est-ce qui Alors, se passe? Nous le donnons en pension à Paris, chez un monsieur qui a une pension d'oiseaux. En réalité, ce sont des animaux qui ont besoin de, sinon de tendresse véritable, de compagnie. C'est pour ça d'ailleurs que au XVIIe ou XVIIIe siècle, on envoyait beaucoup les perroquets à Paris, dans certaines habitations. Ce sont des bêtes de compagnie. Contrairement à ce que Pierre pensait au début, nous avons pris ce perroquet uniquement pour des raisons esthétiques. Je veux dire, on n'est pas aussi égoïste que ça, mais enfin, je ne pensais pas du tout que ça prenait autant de place. Mais non seulement ça a besoin d'affection, mais ça s'est exigé, c'est-à-dire qu'il s'est appelé quand il en a assez d'être seul, si par hasard nous n'avons pas le temps de venir. On entend des cris et ça veut dire « venez ». En général, d'ailleurs, on vient pour le faire taire et il a gagné. Et il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il descend dès que Pierre arrive dans la pièce et il se roule à ses pieds. Il ne se trompe jamais de voiture quand nous rentrons dans la cour. C'est toujours pour nous qu'il hurle de joie. Ce n'est pas d'ailleurs des cris désespérants pour les voisins, parce qu'il crie une fois. Mais enfin, nous sommes prévenus. Si moi, je suis à la maison, je sais que Pierre rentre et vice-versa. En réalité, ça me plaît de le caresser. C'est agréable, c'est très doux. C'est tendre. C'est tendre et en même temps, je ne peux pas dire non plus que ce soit d'une intelligence supérieure. Il me fait rigoler en voiture parce qu'il parle beaucoup. Là, il ne dit rien. Oui, mais Lorenz n'est pas du tout d'accord avec toi. Mais non, mais je veux dire, ce n'est pas une intelligence... Si, Lorenz dit que les grands perroquets sont aussi intelligents que les grands singes. Donc, les grands, mais alors celui-là est encore petit. Vous m'avez dit également qu'un perroquet qui vit très vieux, il faut tout de même pouvoir assurer sa survie, en disant... Oh, mais moi je suis très optimiste. Si ça, le mien a 10 ans... J'ai l'intention de m'accrocher longtemps parce que j'ai le sens des responsabilités. Ça, tu ne t'accrocheras pas jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Si. Je suis prête à aller jusqu'à 140, 160 s'il faut. Il enterrera sûrement plusieurs de mes épouses. Pierre Daninos, pensez-vous qu'un perroquet puisse avoir une âme? Absolument pas. Regardez-moi ça. Ça n'a pas d'âme. Puis d'ailleurs, s'il avait une âme, elle serait tellement colorée qu'on la verrait déjà sur Terre.